accepte beaucoup plus ce métier qui est un métier intense et qui occupe énormément, qui prend beaucoup de temps quand on a finalement envie de vinifier son grand vin. On est dépositaire d'une belle activité qu'ont initié nos aïeux et qu'on a envie finalement un jour peut-être de transmettre sans les obliger à nos enfants. Nous, on cherche à exprimer une certaine personnalité dans chaque cuvée. Personnalité qui jaillit finalement du terroir dont elle est issue. On réserve les magnums à des cuvées capables de bien vieillir. Je pense que cette cuvée, notamment en magnum, elle est partie pour vieillir 12 à 15 ans sans aucun souci. Ben, c'est un Riesling sec qui exprime finalement ce côté calcaire dans un registre beaucoup plus agrume, zesté, citronné. Et avec une très belle vivacité. C'est un vin qu'on va aujourd'hui plutôt marier avec une cuisine peu grasse, voire crue. Donc le petit tracteur, il est à mon fils, qui a 7 ans, qui est fou du grand tracteur, et à qui on doit trouver finalement suffisamment de temps dans notre métier bien prenant. Il faut se souhaiter de réaliser ses rêves. C'est déjà beaucoup.